Au club, il y avait eu des petits, tu sais, petites réceptions, une petite cérémonie, histoire de marquer le coup et de quand même féliciter et puis remettre un petit, je sais pas, un petit cadeau. Alors, je sais plus ce que c'était, mais ça permettait de rallier un petit peu tout le club et puis de communiquer aussi sur le fait qu'il y avait du handisport. Il n'y avait pas que du valide sur la section de tennis de table. Et puis après, bah, la mairie qui le suivait quand même un petit peu. Faisait aussi réception. Il y avait eu des réceptions aussi sur la région ou sur le département, tu vois, l'hôtel de région. Tous les ans, il y a des remises de récompenses pour les athlètes méritants et tout. Bah, il était inclus là-dessus. Alors, pareil, c'était le début de l'intégration des sportifs handicap. Et c'est bien, ça a permis de côtoyer beaucoup plus de monde. Et puis, en termes d'intégration, c'était vraiment un bon truc. C'est là où je me suis un petit peu rendu compte de quel impact les jeux pouvaient avoir. Parce que là-bas, on s'en rendait pas compte, parce que là-bas, on communiquait avec On était personne. dans Puis parce votre que ça truc, coûtait donc. tellement cher qu'on n'appelait personne, en fait, on n'avait rien. Les textos, bon, il y en avait de temps en temps, mais on ne pouvait pas répondre, on ne pouvait pas faire ci, on ne pouvait pas faire ça. Chaque D'accord. texto, ça coûtait 5 euros, donc enfin, j'exagère, Non, mais c'était mais ça. c'était super cher. Et puis voilà, quoi. Ouais, l'Elysée, la Recevoir. Légion d'honneur. D'accord. Les jours d'honneur, c'est attribué à tous ceux qui ramènent une médaille, c'est ça? Ouais, moi du coup, je suis chevalier de la Légion d'honneur parce que j'avais fait A. D'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc tout le monde est convié et il y a un degré Pour les selon. médailles, ouais, c'est ça, ouais. L'or, c'était un peu au-dessus, je crois. D'accord. Voilà. La réception de ceux qui avaient la médaille, la Légion d'honneur. D'accord. Et sur l'autre, peut-être réception pour tous les athlètes qui D'accord, avaient oui. fait médaille ou qui avaient participé, voilà. Et ça se passe comment? C'est des réceptions, c'est un peu, je dirais pas rasoir, mais où c'est bonne ambiance quand même, où c'est vraiment très solennel et du coup, t'as réussi un peu à être détendu Oui, je ou. crois que j'ai réussi à rigoler tout le temps et pour moi c'était très long et peut-être très, très compliqué, un peu tout ça, mais putain, Bah là, il y a Stéphane, c'est ça? ouais, Stéphane Qui est Molliens, médaillé classe 1-2, c'est ça? classe 2, Avec. ouais, Damien, Fanny, Elle a fait aussi tennis de Audrey, la table. Max du coup, Chris, Christophe Durand, c'est ouais, ça? Max, Emeric à Aymeric côté, l'Argentan. voilà. Voilà, Mickaël Gervais qui s'était rasé un peu la tête ici. Jean-Philippe Gatien qui est venu dire Jean-Philippe bonjour. Gastien qui était venu nous faire un Nous petit bisou sans féliciter. doute. Et puis ouais, il y avait Un peu du beau un monde. peu de monde quand même, hein. Parce qu'en fait, il fallait avoir or pour avoir la Légion d'honneur ou un truc, je sais plus. Ah, tu vois, quand je te dis que je suis pas très bon à tout ça, c'est que vraiment je suis pas très bon. Toi, t'as une petite Non? Légion d'honneur, c'est ça? Et il y en a qui ont Ouais. des trucs, Et ouais, Jean-Philippe, il avait parce déjà que des c'est la médailles et il deuxième. passait un cran au-dessus, c'est Parce que c'est ça? la Donc deuxième, il y a plusieurs deuxième or. étapes, très impressionnant quand même. Après, que t'aimes bien le président ou pas, c'est quand même le président de la France. Ou non, toi, ça t'a pas. Non, si, Là, t'as l'air de oui. rigoler avec lui. Ouais, sans doute. Non, mais j'avais. L'insouciance de la jeunesse. Ouais, ça déjà. Et puis, suivant un peu, enfin, un bord politique, entre guillemets, mais pas forcément quelqu'un que je portais dans mon cœur, Ah, s'il faut ça tout joue dire. ça à ce Ouais, alors moment-là. moi j'aime pas parler de politique et ça regarde un peu personne, mais Non, non, bah ça. non, mais oui, ça joue. Ouais, Ouais, ça joue. d'accord. Ouais. Ça joue parce qu'on en discute un peu avec les copains et moi, On je sais pas si on peut le se dire, chauffe un mais. peu, genre lui je l'aime pas ou je l'aime Non, mais bien. je sais pas si on peut le dire, mais je le dis, moi j'avais dit, si on tend pas la main au président, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, quand lui il va te serrer la main, si tu tends pas la main, en gros, si tu veux pas lui serrer la main, imaginons que tu veux pas lui serrer la main, qu'est-ce qui se passe? Alors on m'avait dit, bah on n'en sait rien, et de toute façon, tu fais pas parce que ça se fait pas. Donc moi, quand on me dit ça, tu le fais pas, bah évidemment, qu'est-ce que. Voilà. Et donc en fait, bah, j'avais pas tendu la main au président de la République. Et lui, bah, du coup, il est en protocole où il tend pas la main non plus. Donc en gros, je pense qu'il Ah, il attend que ça attend. soit toi qui tends ou pas, parce qu'il doit avoir l'habitude de ça. D'accord. Mais tu vois, quand même très pro, avec un petit sourire tous les deux, tu vois, de on s'aime bien, alors qu'en fait, lui, je pense qu'il Donc m'a là, déjà vous n'êtes pas fait. tourné, vous n'êtes pas serré la main finalement. Voilà. Mais en D'accord. fait, c'était même pas un pari stupide, parce que c'était un truc avec moi-même. En fait, c'est des délires de mec tout seul. Et c'était pas. Dans ta tête à toi, tu te Ouais, dis. et il faut pas prendre ça comme un manque de respect du tout. Enfin, tu vois, moi, Oui, non, mais je suis très j'imagine bien. respectueux de tout le monde. Mais ouais, c'est Là, des il y avait des trucs. choses où tu n'étais pas forcément d'accord, donc tu t'es dit. J'en sais rien, en fait, pourquoi? Donc tu avais 23 ans, tu étais con, et puis. Parce que je suis toujours con, ouais, là-dessus. Mais par contre, là, c'était vraiment.
je sais pas, un truc en me disant, putain, mais qu'est-ce qui se passe si qu'est-ce qui se passe si on fait pas ci, on fait pas ça, quoi, voilà. Ça aurait pu créer un incident diplomatique, j'en sais rien, moi, mais. Ah, c'est dommage parce que là, on voit sur la photo en zoomant qu'en fait, il y a un colonel ou un général, je ne connais pas assez en militaire, mais qui lui tend un petit papier avec ton nom. Et en fait, il y a un moment, est-ce qu'il a écrit ça gagné et tout ça. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, que je me rappelle, alors encore une fois, au-delà du bord politique, le discours avait été vraiment très impressionnant. D'accord, ouais. Aucune fausse note. Ouais. Une prestance incroyable, une présence, enfin vraiment. Il n'a pas dit à la fin tout le monde debout pour faire ça. Ouais, il n'a pas fait ça. Mais par contre, moi j'étais bluffé par son discours. D'accord. Ouais, vraiment. Tout ce ouais, avait il avait le droit d'emmener une ou deux personnes. Ouais. Quelques personnes. Et c'est quelque chose de. Qui marque un peu ou... Ah oui, c'est sympathique, ouais. Hein, franchement. Là, on se rend compte un peu plus du retour. Oui, oui, de la... Le buffet, tout, ouais. Non, le champagne, tu sens que il y a la... D'accord. Tu sens que c'est les petits plats dans les grands tu sens que c'est mondain. Bah, il m'avait demandé aussi de venir avec lui quand il y avait eu cette réception-là. Et ils avaient mixé, alors je pense que c'est toujours le cas, mais c'était des athlètes olympiques, donc médaillés olympiques, donc tous les valides, et tous les médaillés aussi paralympiques, tout le monde était mixé en même temps. C'était pareil, c'est des occasions où tu sais que moi, à mon niveau perso, j'aurais jamais eu l'occasion déjà ne serait-ce que d'aller à l'INSEP. Ça reste quelque chose d'assez. Moi, je découvrais un petit peu ce cadre-là. De voir des athlètes olympiques, pareil, t'as beau être adulte, t'es comme un gosse, quoi. Il y a tel mec, je le vois à la télé, il y a tel mec, je le vois à la télé. Bah après, il y en aura d'autres, du coup, pour je prends les autres. Oui, après, oui, chaque après, médaille, non. Parce que, là, ça a été réglementé, tu sais, tu avais le droit à une personne. D'accord. En finale. Ah oui. Donc, il a emmené une fois Julie, une fois. Celle qu'il avait. Bah ouais, tu couperas. On coupera, la personne qu'il avait. On coupera, Charlotte. tu couperas surtout. Oui, oui, oui.